إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sur la famille ainsi que le sur son compagnon. Nous citons un ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Certainement, ban kin dit nous rab c'est Allah, thumma staqamu. Ensuite, zon reste le chemin droit, zon tini ferme le chemin droit. Tatanazzalu alayhimul malaika, ban ange pour descendre le zot. Allah takhafu et pour dire zot qui pas besoin gagne aucun l'affrayer. Wala tahzanu ni aucun tristesse. Wa abshiru bil janna et gagne la bonne nouvelle du paradis. Allati kuntum tu'adun qui nous promet zot. Allah subhanahu wa ta'ala va nous trouver dans sa ayat Qur'an là, il peut dire Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ban kin diyanu rabb si Allah. Il servit le mot rabb. Ici, dans le mot rabb, il y compris signification ilah. Ça veut dire ban kin diyan Allah nu rabb. Je ne reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui crée et accorde tout ça qui est bizarre. En plus de ça, c'est lui qui mérite adoration. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. En passant, il semble dans sa nature de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme Rabb. Dans le sens qui n'importe qui s'en là, de reconnaître qui est une créature. Dans ce faux intérieur, même un athée, il y en a doute dans ce akida. Un pour cent doute, il y en a. Tout le monde reconnaît dans lui-même ça. L'étant Allah subhanahu wa ta'ala fin créé une sa même, il y a déjà dans lui ça. Qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même les rab. Ou al divan un non-musulman, ou du man dit que ça n'a pas ça la terre, nous peut vivre là, que ça n'a créé ça. Jamais il ne peut dire aussi un statut ça. Parce qu'il connaît ça, un statut là, il qui crée, il peut servir ça comme un moyen supposé pour approcher vers Allah. Ça tout le temps, man moucherik, c'est un principe ça. Mais il peut dire où, c'est qu'il a ou là. Parfois quand il cause où, il dit un, c'est qu'il a ou là, pétane tout. Ah, je dis reconnaître ça. Quand il peut cause mouchrik,
c'est pas une musulmane qui vient de Allah se chier. Nous connaissons très bien, ban mushrik Makka, même mushrik Makka. Ban qui vient qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient vers eux avec le message. Je connais Allah subhanahu wa ta'ala comme Rabb. Nous connaissons très bien l'événement avant naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les temps, ban natiroudvin, kras Kaaba. Et les rois avec soldats, mais l'éléphant, y compris l'éléphant là-dedans, tu viens pour Kras Kaaba, parmi Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce dada, les vins vers les rois là, les djali comme ça, retourne-moi mon chameau, ben n'a-t-il qu'aucun ce chameau, retourne-moi mon chameau. Ben dans une situation pareille, nous pouvons venir pour Kras Kaaba, et il connaît Kaaba qui était pour eux. Nous pouvons venir Kras Kaaba, toi tu peux venir, tu peux venir de chameau. Ça est enregistré dans l'histoire, ça. Il dit à eux comme ça, « Ana Rabbul Ibil, moi mon Rab de ça, ici Rab veut dire, mon propriété de sa bande chameau là, mon maître de sa bande chameau là. Ana Rabbul Ibil, walil bayti Rabban, je te connais. Ça la case là, il y en a son Rab. Il y en a un Rab ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je te connais Allah. Il donne à tuer humain pour qu'on un être qui crée, qui lui accorde lui tout ce qu'il a besoin après, donne la vie, donne l'amour, etc. Mais le problème qu'on devine, le problème c'est malgré qu'insan lui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui Rabb, mais ce mal il pas réserve adoration pour lui. Dans quel sens? Qui veut dire adoration? Par exemple, quand il y en a pour faire une invocation, là, il retourne vers son idole. L'espoir, il garde le son idole. La cause, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « U'budu rabbakum » Je déjà connais qui Allah, les autres rabbes. Mais « U'budu » fait son ibadat. « U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqoun » Surah Baqara même. Plusieurs places, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça. Faire ibadat Allah. Ici, quand c'est lui peut dire, quand Allah peut dire, ban qui dit Allah nous Rab, ça veut dire ban qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme Rab, et derrière ça, je réserve ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la cause même. Tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala lui occupe une place, première place dans l'islam. Ça. Faudrait ça bon, il y a là tout ce qui pouvait après lui pour compter. Si ça même n'a pas bon, si la même est un défaut, la même est un erreur, ce qu'il nous fait après, il n'y a pas aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ban kin ji Allah nous Rabb. Ça veut dire ban qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme Rab et comme Ilah. Je fais ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est nos buts qui fait Allah subhanahu wa ta'ala créer nous ça. Ça c'est l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala créer nous. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Derrière sa expression là veut dire Insan, Simon Créli, c'est juste pour ça qu'il chose là. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budu. Excepté pour qu'il y fasse mon ibadat. Ma uridu minhum min rizq. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala bjak mouti ça? Moi pas voulu nous retirer des pisotes moi. Moi pas voulu qu'ils autres accordent moi qu'il chose ni qu'ils autres nourrit moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que Rab, lui qui provide tout ça, cette chose-là. Lui qui donne tout ça-là. Mais qui lui attend de nous. U'budu rabbakum. Fais ibadat zot Rab. Pardonne-lui associé. Pour réaliser sa but qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin. Crée-nous là. Lui est la même. Tant bien là. Allah crée-nous juste pour ça, hein, pour faire son ibadat. Nous, ensemble avec djinn. Pour réaliser, comment pour réaliser ça? Il y a une phrase ça. Là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître le but de l'existence. Le but de l'existence peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment pour réaliser ça, but là?
comment pour réaliser l'objectif là. L'air la même qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, fais 5 fois salat par jour, mais salat obligatoire pour nous. Parce que salat, c'est 600 insan avec ce créateur, avec ce Rab. Salat, c'est une relation entre les serviteurs avec le créateur. Il n'y a personne entre. L'air la même qui lui met obligation, suyam, suyam ou li, encore Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître, suyam pour moi ça. Personne ne peut garder rosa pour un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui diffère en tant qu'un quelqu'un qui peut garder rosa, diffère lui jusqu'au Allah. Il y a plusieurs exemples. Il n'y a pas pour manger, boire, même personne ne peut trouver lui. Il connaît qui s'il mange, boire, mais Allah n'est pas pour content sur rosa pour annuler. Parce qu'Allah ne garde rosa comme ça. Ribadat ça. Parit moi zakat. Ribadat. Pour réaliser ça, l'objectif là, il y a la même qui Allah subhanahu wa ta'ala, les met dans le pilier. Pour réaliser ça, l'objectif là, il y a la même qui Allah subhanahu wa ta'ala, les met l'obéissance obligatoire. L'obéissance à Allah obligatoire. Pas juste l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obligatoire. Atui'u Allah wa atui'u Rasul. Ribadat ça. Là même pour réaliser ça, l'objectif là, nous n'avons pas de pilier, nous n'avons l'obéissance vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance dans qui ça fait? L'obéissance dans ce ribadat, l'obéissance dans la façon qui disait vivre. C'est ce qu'on appelle ribadat. Quand quelqu'un dit dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, y compris façon qu'il peut vivre avec ban djimoun pareil comme Ali, parmi ban proche, pareil comme ban qui loin, parmi ban qui n'a ban lien, relation, parmi ban qui étranger Ali. Comment pour vivre avec eux, trouve dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala ça. La cause est de dire, au pan crédit et qu'il s'en excepté pour faire mon ibadat. Dans sa expression, Inna alladina qalu rabbuna Allah veut dire celui qui dit Allah c'est le Rab. Il peut n'a chirque dans ce la vie. Pas non plus, pareil comme généralement, du monde dit Allah, ouais, créateur là ou là, il est créé. Mais c'est mal de l'y associer. Il fait chirque avec lui. Il y a le djiman qui crée un kiken avec son propre lamé qui dépanne l'eau, li, qui amène manger, boire pour lui, qui invoque lui. C'est un peu appelé le shirk ça. Les gardes l'espoir, pareil. L'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe qui faut m'aider. C'est même appelé le shirk ça. Par contre, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Bankin dit Allah nous rab. C'est après qui je reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui crée, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne l'amour, c'est lui qui donne nourriture, c'est lui qui formule la loi pour manière bien vivre, etc. C'est lui qui fait la pluie tomber. Tout ça là, après ça, il n'est pas donné Allah subhanahu wa ta'ala associé, il n'est pas fait shirk avec Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La majorité de l'humanité, sa race qui appelle insan là, je ne peux pas amener iman à Allah, excepté qu'ensemble avec ça, je peux faire shirk. C'est pour ça que shirk est un parmi les péchés, qui si un qui gagne les mots avec ça, peine pardon. Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre les clés dans le Coran. Peine pardon, peine à l'entrée dans le paradis, dit tout. Et éternellement, place pour dans l'enfer. Zis shirk. Apporte shirk, wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y oule, il est capable de pardonner. Péché qu'un du monde est capable de faire. S'il y oule, après cela, il pardonne lui, s'il y oule. Mais shirk, peine à pardon. Inna alladina qalu rabbuna Allah, ban kin diyanu rab, c'est Allah, thumma staqamu. Niveau chaque Jumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il met sa principe là. Il fait ce prophète,
dans le jour de vendredi, et nous avons une salat qui s'appelle Jum'a, juste dans sa salat là, avant salat là, djibouté, un khutuba, nous avons fait faux marché. Parce qu'il dit là, pas non plus nous croyons qu'il existe, nous qu'on fait salat, mais nous qu'on dit non. Dit là pour pratiquer, nous avons qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, et ça nous trouve dans le Coran. Comme rappel, tous les vendredis nous pouvons rappel. Peut-être ça quelque chose qui nous peut dire là, nous déjà connaît. Mais Allah subhanahu wa ta'ala met ça principe là comme ça. Fadakir, faire le rappel. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ban croyance profiter avec rappel. Zamien rappel, il y a une affaire qui vous dirait, peine à l'importance. Les profitables. Comme rappel, Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des saints Coran comme un guide. Qui veut dire tout ça là? Ça veut dire, au fur et à mesure que Allah subhanahu wa ta'ala descend à être Coran, l'os au prophète, comme révélation, c'est ça guide là, ça. Derrière là, Allah subhanahu wa ta'ala peut diriger l'insan, comment il a besoin de vivre l'os à dunya là, il dirige l'univers aux relations envers Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme aux relations envers les autres, du monde, et il fait l'icône, ban qui chose qui, pour lui-même, l'insan là n'a pas pu connaître. Si Allah subhanahu wa ta'ala pas tu fais nous connaître qui est un ban ange qui autour nous qui nous pas trouve autres. Il y a une créature qui appelle djinn qui reste ensemble avec nous dans sa dunya là qui nous pas trouve autres. Si pas tu fais nous comme ça, nous tu peux connaître. Si Allah subhanahu wa ta'ala pas tu fais nous connait qui arrive après la mort parce qu'il n'y a pas une petite chose qui vous dit un mot voyage, écoute-moi là-bas après me retourner, moi capable de dire autres qui n'arrive après la mort. Pas faisable ça, pas réalisable ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui informe nous, lui fait nous connaître. Là qu'on s'allie des âmes dans un Coran. Là qui nous trouvait dans un Coran campé des âmes. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. C'est lui peut faire nous connaître le chemin. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala il déjà fait nous connaître qui il donne nous la vie, il donne nous l'amour, il fait nous connaître après l'amour qui peut être. Nous comptons très bien ça. En plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous aussi connaître afin que le jour dernier nous ne pouvons pas esquisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'a pas connu. Lui montre nous le chemin. Comment dire après nous l'amour, nous pouvons gagner un bon résultat. Pareil comme ici nous peut trouver qui dit inna alladhina qalu rabbuna allah ban kin dit allah c'est nous rab nous peut dire là quand nous dit allah c'est nous rab veut dire nous reconnaître lui comme rab et nous pas de lui associer nous reconnaître lui comme ilah nous réserve adoration pour lui. Il pas suffit est-ce que besoin quelque chose encore derrière là encore besoin faire pas déjà une garantie si dit tu suffit Allah subhanahu wa ta'ala pas tu mentionnes encore quelque chose après ça. Parce qu'il y connaît. Il y a un, il y a nous l'ennemi, qui lui aime l'in déclarer, l'in faire nous connaître, un ennemi déclaré, un ennemi ouvert ça, pas caché de nous, ça. Radio Boum Mobine ça. Qui est là pour détourner nous. C'est pour ça qu'il y a des capables de bonne intention. Il y a un bon désir, bon wish, mais pour le réaliser, il y a une difficulté. Parce qu'il fait, parce que l'ennemi là, il est là pour travailler, pour empêcher Alver, le chemin droit. C'est promesse qu'il fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même ça. Allah subhanahu wa ta'ala montre le chemin. Ban qui dit Allah c'est nos robes. Ce n'est pas une reste en place. Je ne suis pas content avec ça. Je ne dis bien une fille, dit Allah nos robes, nous peut réserver adoration. Je ne sais pas ça vient courir. Non. C'est un qui est pauvre dans là ça. C'est un qui vient après là ça. Basant l'eau là qui résulte après une vie positive. Basant l'eau là qui après ange peut dire quand il mot. Quand il finit mot. Parfois, moi je me pose la question avec sa train de vie qui nous peut vivre là. Est-ce qu'il nous arrivait à penser pendant une seconde, je peux vivre la terre, je dis, mais moi, pour moi, nous avons fait équiper la chose.
qui peut arriver moi demain? Pareil pour moi, je connais si je peux vivre là, si je pas travail, qui mon situation peut être. Hein? Je peux venir un misérable qui bizarre du monde du monde. Nous connaissons sa situation quand on bizarre du monde du monde. Dans quel niveau nous tombons? Nous gagnons le lendemain. La même nous t'en dire comme ça, hein, la vie peut venir chier, hein, telles affaires peuvent venir dire dans quelques années encore, mangez pas pour gagner. Qu'est-ce que du monde qui m'a gagné traca? Il y a des affaires normales, ça l'illogique ça. Les la même gagne panic buying pour l'acheter, soi-disant, garde il stock pour les t'en dire. Ah bien, il stocke pour ceux qui viennent après nous l'amour. Nous ne les avons pas pensé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, c'est un bon rappel là ça. Il mentionne une petite chose comme ça. C'est une petite chose qui est extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. Hein? Quand nous pouvons dire à l'Indien, nous vivons. Après, il peut demander nous compte, pour aller dans le paradis ou bien pour aller dans l'enfer, mais il peut montrer nous le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il oule. Allah subhanahu wa ta'ala, il met les clés dans le Coran, ça. La yuridu bikum Allahu kufr. Allah n'a pas les qui nous fait kufr, lui. Allah n'a pas content. Il n'est pas content pour nous, kufr, lui. C'est pour ça qu'il montre nous le chemin. Aïe, là, mon crézot, pour donner autres l'amour, pour demander compte avec autres demain, après pour l'entrée paradis ou bien l'enfer, il prend quitte nous comme ça, même, mais il montre nous. Comment il y a pour rentrer dans le paradis là? Derrière là, il peut montrer nous comment il y a pour faire face à nous l'ennemi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنت كان بين فيلي كوني تسلم علينا ورسيسر دون حديث ها. Quand il arrive dimanche, nous comptons pour lire le journal, non? Master, nous avons le journal. Bonnier, nous finissons par prendre le journal pour lire, pour gagner un petit peu d'informations. Qui nous traverse, ou bien qui piatane nous? Si nous tenons ça désir, ça, l'amour, pour connaître, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, pour trapper ce Coran, lire avec compréhension, lire pour gagner quelque chose nous-mêmes. Comment est-ce que vous dis? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu vers lui, c'est lui qui recevra révélation ça. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala donne garantie, il n'a pas cause pour ce passion. C'est qu'il dit c'est un wahi. Entre parenthèses, c'est pour ça, même quand nous lisons le Coran, n'a pas prend ou propre compréhension ou vient dire Coran peut dire ça, Coran peut dire ça, sans passeport, c'est qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer. Connaît très bien sa Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre loin prophète ça. Et dans toute petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autre pour faire, nous gagnons son explication par façon qui ce prophète fin pratique lui, fin vive lui. La cause ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li un Coran qui peut mort, c'est lui. Pénal l'autre dans la vie excepté Coran. N'a pas venu dire à Zodi qui me comprend arabe, moi, ça me l'avait dit ça, me donne une garantie, Allah peut causer moi, Allah ne peut pas causer personne. Allah finit cause avec ce prophète, l'infini descend, Wahil ce prophète. N'importe qui s'en a qui vient dire où, Coran peut dire ça, l'ibizin, d'après explication, ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça en passant, même Ban Sahaba, dans cette confusion, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shirka la zulmun azim. Un Coran ça. L'autre place, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ban ki amen iman et je pas habille zot iman avec zulm, l'injustice. Arabe, hein? Ban sahaba comprend arabe bien. Ban ki amen iman et je pas habille zot iman avec l'injustice.
Bon sahaba dit, ya Rasulallah, mais qui s'en a qui parmi nous pas faire l'injustice? Puis il y a 10 mots arabes là. Si vous prenez les 10 mots arabes, beaucoup également. Et du monde pour égal les autres en haut. Si pas retourne vers Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit, sa zone, vous connaissez qui était ça? Luqman parti dire à ce garçon, inna shirka la zulmun azim. Shirk, c'est une plus grande injustice. Ça zone qu'Allah peut dire, ben qu'il a mis l'iman, pas abise autre iman avec l'injustice. Ça veut dire, je ne peux pas faire shirk ensemble avec ça. Qui s'en a qui explique ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pavin dia zodi, l'élevé dia aswa, atan aswa, l'élevé au kasuroza. Nous guettons comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explique ça, en parenthèse, nous retournons vers nos hadiths. Un qui vient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Mourni, get mot qui peut s'y vie. Et là, nous pouvons tirer bénéfice d'un hadith. Mourni bi amrin. Donne-moi l'autre pour faire une petite chose. Montre-moi une petite chose. Qui après ça, mon papa, pour que j'ai dit, manen, l'autre apporte-toi. Qui veut dire ça? Ça veut dire que ce sahabi-là, lui, il vient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, dis-moi une petite chose qu'il m'a pu faire, qui ça, il peut suffire pour moi, je pas besoin de demander les autres encore, je peux finir qu'un mot répond. Et une petite chose qui peut profiter moi. Une question, pour le rendre une réponse, une question qui est une phrase. Mourni bi amr. Donne-moi une autre pour faire une petite chose qui m'a pas besoin de demander l'autre apporte-toi. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ayat Quran descend l'ol. Qul, dijali qul, dit, amantu billah, mon ami iman lo Allah, thumma staqim. Ensuite, reste l'eau sur mes droits. Samim qui me demande. Samim qui te chose que si nous comprenons, et si nous pratiquons, si nous comprenons déjà, il suffit, nous ne pouvons pas les autres qui te chose encore. Quand nous avons un iman de Allah subhanahu wa ta'ala qui est resté après, pour moi, pour nous tous, reste-le sa chemin droite là. N'a pas quitté sa chemin droite là. Sa chemin droite là, c'est quoi ça? Sa chemin droite là, c'est 24 ans que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vive. Depuis qu'il est levé jusqu'à qu'il a dormi. C'est qu'il fait dans tout bon aspect qui est là, qui est un du monde, traversé. C'est un chemin droite ça. Parce qu'il est venu pour montrer nous le chemin droit. Pas depuis l'élevé jusqu'à ce qu'il y a le dormi. C'est qu'il y fait. Veut dire qu'il nous vient faire nous. Pour nous gagner sa privilège. Qui, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, après, 11 pour dire, n'a pas gagné de raka. Déjà, nous nous a expliqué. Pas comme avant Malakal Mot pour venir à jour, nous finissons par gagner tracas. Du monde finissons par gagner tracas. Nous finissons par gagner regret. Nous finissons par bargain dans ce moment-là. Nous bargain avec Allah. Qui s'en a insane. Mais pour nous trouver parmi les gens qui connaissent l'amour, peut venir. Nous connaissons. Du monde connaissons. Il connaît un moment que le pape a fait un ennui là. L'air finit d'arriver là. Vous connaissez dans ce moment-là, on peut gagner une bonne nouvelle. Quand on finit mot, gagner une bonne nouvelle, on n'a pas gagné aucun l'affrayer. Avant nous dormir, essayez de faire l'expérience là. Peut-être, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable d'aider nous. N'est-ce pas une écoute, on peut dormir là si demain, grand matin, on peut nous lever. Qui m'a une étape pour traverser hein? Pareil, nous connaissons, demain grand matin, comme on lève, je pas le travail, je suis un tel, je suis gagner ça. Ah ben, pense un coup, demain grand matin, si je ne pas lève. Qui est ma situation? Qui peut arriver moi? Qui est chose qui peut prendre place? Qui n'arrive pas? Je pense ça. Et qui chose peut venir ça? Hein? Peut-être ça pour aider nous, pour rester le chemin droit. Rester le chemin droit, qui veut dire? Reste le chemin à droite là, c'est tous les jours ça. Tinifim, tout mastakamu.
La cause qui nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim, même Moussa, guide-nous dans le chemin droit. Que Allah subhanahu wa ta'ala demande nous. Après qu'il nous dit à nous, Rabb, c'est Allah, il demande nous pour rester dans le chemin droit. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre 5 fois, soit là, pas où, au moins. Nous restons là-dedans 5 fois, soit là, pas où. Quand arrive le mois Ramadan, nous gardons nos rosa. Quand arrive le moment pour tirer nous à quatre, nous tirer. Si nous n'avons pas moyen, nous allons accomplir. Ça va nous piller, ça, hein, mais ce n'est pas ça l'islam. Plus important encore. Façon que nous pouvons vivre, envers ben du monde autour de nous. Tout ça là, c'est le chemin droit. Parce qu'il est dans ce chemin droit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient nous montrer nous là. Il montre nous comment nous pouvons vivre avec l'insan. Il montre nous comment nous relations avec Allah subhanahu wa ta'ala bien été. Pareil comment nous relations avec l'insan autour de nous comment bien été. Nous voulons nous parler, demain nous n'avons pas le rencontre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons nous parler et nous avons deux destinations qui peuvent attendre nous, soit paradis, soit l'enfer. Ce jugement-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire. Nous place côté pour être, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Allah en tant que celui qui a beaucoup pitié. Avant qu'il les prenne en compte avec nous, il peut montrer nous le chemin lui-même. Comment y être demain pour gagner un bon résultat avec lui? Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ban kin dia nu rabb c'est Allah, thumma istaqamu. Ensuite, tini ferme lo sa chemin droit là. Dans tini ferme lo sa chemin droit là, attention nous penser difficile parce qu'il nous pouvait un ange. Non, Allah subhanahu wa ta'ala pas peur de man nous ça lui. Il reconnaît qu'il nous a un insan nous pour faire rire. Mais il demande nous quand nous fait rire, pas reste dans le rire. Là, sorti, vine vers lui, retourne vers lui encore à chaque fois. Qui Allah subhanahu wa ta'ala guette, il guette sa zéfo. Qui zéfo il guette? Sa zéfo qui, sa insan là, il fait grand matin pour lui lever, pour lui faire soir là tout le fajr. Sa zéfo qui lui fait pour lui comprendre. Parole Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous effort là, ça même qui garde nous dans le chemin droit ça. Quand nous quitte ça, nous plus intérêt. Qu'on est facile. L'amusement. Ben quitte chose qui est haram. Kullu mahroumun marhoub. Tout quitte chose qui est haram, du monde désire les plus. Ou mettre une grosse étiquette, cigarette, les causes du tout ou la santé. Du monde qu'on a le vieille. Quelle quantité de cigarettes vendées dans nos pays et en déo. Quelle quantité. Quelle utilité y a ça? Après, nous cause la misère, la pauvreté. Mais quand tu casses des pensées, demande quelque chose inutile. Toute chose qui est haram, là, nous pouvons intéresser avec la Coupe du Monde parce qu'il fait dans le pays 14. Mais si nous tiennons un désir, si nous tiennons un plan, pour dire, nous travaillons pour nous apprendre nous l'amour. Comment le tu pour réaliser ça, sa réponse que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne sa sahabi là. Li pour nous aujourd'hui. Qul amantu billah. Je m'en amène iman lo Allah, thumma staqim. Ensuite, tu n'y fermes l'eau là. Comment pour tu n'y fermes l'eau là? Reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala tant que possible. Si nous n'arrivons à dévier, retourne l'eau le chemin droit pour istighfar. Nous pouvons faire errer, nous n'avons pas ange, nous nature même comme ça. Mais qui Allah subhanahu wa ta'ala content, il est content, ça effort qu'il nous fait pour venir vers lui. Tous les jours. Et nos résultats, nous pouvons baser l'eau là. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il met nous parmi sa banne là. Banne qui nous dit, nous robe c'est Allah, ensuite nous t'y ferme. Parce qu'après ça, résultat, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment seulement, résultat pour venir positif. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka حميد
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.